Est-ce que tu peux nous parler des métriques et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour évaluer avec les jeux sérieux ? Alors effectivement, une métrique, ça désigne une unité ou un indicateur de mesure qui va permettre d'évaluer l'efficacité d'une activité. Et évidemment, pour nous, dans notre cas, l'activité, c'est l'activité pédagogique, les comportements, les réussites à un exercice. Alors techniquement, ça s'utilise à partir des traces, puisque les traces brutes vont nous permettre de calculer ces indicateurs, ces métriques, et de deviner ensuite, par exemple, d'en déduire le temps que met un étudiant pour réussir une activité, le comportement qu'il a, le choix, les stratégies qu'il a mis en place, etc. Alors, notamment, on a utilisé cette année, dans le domaine médical, ce genre de choses. On a mis en place un outil pour les hospice services sous forme de serious game. Et donc là, on mesure le niveau de germes, donc pour vérifier les maladies nosocomiales, enfin pour éviter d'avoir des maladies nosocomiales qui se développent. Et donc, pour vérifier ça, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui doivent être faites tout au long du jeu. Et donc, en fonction de la réussite, on a un petit bonhomme vert ou un petit bonhomme rouge qui apparaît. Alors, on a des aspects dynamiques tout en haut qui, au cours du jeu, nous donnent l'information en nous disant, là, vous avez réussi, attention, le niveau de germe monte, etc. Donc, c'est calculé dynamiquement grâce aux traces, cette métrique-là. Et puis, à la fin, on peut avoir une synthèse qui nous dit, regardez, vous avez fait baisser là parce que vous êtes pas... vous avez travaillé correctement, puis ensuite c'est remonté parce que vous avez répondu au téléphone et il ne fallait pas à ce moment-là. Voilà, Donc ça, c'est des outils très récents. Et que penses-tu de la mise en garde de Gilles Brougère ? Si on évalue avec le jeu, on dilue le jeu. Ça, effectivement, c'est un risque qu'on constate constamment avec la phase d'évaluation et une partie qui pose problème. Alors nous, je ne dirais pas qu'on a résolu le problème, parce que ça se passe toujours, mais on a choisi d'avoir une approche roleplay game, ce qui fait que les étudiants sont avec un avatar, ce qui fait que ça dissocie. Ils n'ont pas l'impression d'être évalués eux-mêmes. Donc ça, c'est déjà une réussite, parce qu'on s'aperçoit au bout de quelques minutes que les étudiants, grâce au chat, on voit qu'ils ne pensent plus du tout à être évalués, ils se comportent naturellement à l'intérieur du jeu. Okay. Mais alors, quels sont les moyens que vous utilisez maintenant pour évaluer ? Alors justement, pour éviter ce problème de l'évaluation, par exemple le QCM qui arrive systématiquement, il y a beaucoup de recherches qui sont menées, on n'est pas les seuls actuellement à travailler sur l'évaluation implicite. Alors là encore, à partir des traces, on analyse le comportement, on regarde ce que font les autres et on essaye d'en déduire sans que la personne se rende compte qu'elle est évaluée, où elle en est de sa progression, et éventuellement on va arriver à adapter, à lui donner des exercices particuliers. On l'avait déjà fait dans le donjon pédagogique, cette chose-là, en proposant un téléporteur qui va donner des nouveaux exercices à quelqu'un qui en avance. Donc il voyait apparaître ça, il pouvait aller faire des exercices un petit peu particuliers.